Attends quoi? Attends, désolé. J'ai reçu un DM de Kay. J'y peux plus. Petite question, vous avez été mégalo en disant je veux devenir le meilleur dresseur ou le scientifique en disant je veux compléter le Pokédex? Moi, je préfère pas répondre à cette question. Eh, d'ailleurs, on n'a pas vu la fille de tout à l'heure. Celle qu'on a sauvée, on l'a pas revue. Oh, le petit Evoli! Trop mignon! Un bon pique-nique! J'ai mis trop d'ingrédients dans mon sac, moi. Je vais t'en donner un peu. Oh, bon, merci. C'est très gentil. Ah oui, elle m'a ralasse, hein. Manger des sandwichs en plein air, c'est trop bien. Utilise les ingrédients que je t'ai donné pour cuisiner, tu verras. Tiens, puisqu'on est là, tu veux faire un pique-nique avec moi et te reposer? Allez. Du coup, est-ce que j'ai une nappe de pique-nique et tout, moi? Vu que j'en ai pas acheté, est-ce que j'en ai une d'office? Vous avez l'air d'aller mieux, c'est super, revenez quand vous voulez. Ahmed, je pensais qu'on allait faire des sandwichs et tout. Oh, le what-what! D'ailleurs, est-ce que vous pensez que l'apparition de Shiny est relativement élevée dans le jeu? Un peu à la manière de Arceus. Parce que j'avoue que... J'ai déjà quelqu'un qui m'a dit avoir... Enfin, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit avoir trouvé des shiny. 1 sur 4096 de base. Et ouais, mais par exemple, tu vois, dans Arceus, c'était combien? C'était moi, hein, dans Arceus. Non, mais Maë, toi, je me doute de ce que tu as répondu, no offense. Hé hey! Non, mais oh, ça veut dire quoi, ça? Alors, what what? Petite morsure. Le fait que tu vois tous les Pokémon, c'est plus probable que les jeux d'avant. Ouais, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Ok. Pokéball, go! J'aurais peut-être dû racheter des Pokéballs avant de partir. Ah, mais il y a un centre Pokémon plus haut, donc ça va. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de dresseurs. Enfin, bon, si, on en voit un là, mais j'ai l'impression que ça court pas non plus toutes les rues. Donc j'espère que le système de monétaire du jeu va pas être trop difficile. What what, Pokémon laine de type électrique, j'adore what what. Sa toison pousse constamment. L'été, toute sa laine tombe, mais elle repousse en moins d'une semaine. Allez, au PC. Promise what what. Bon bah ça va partir avec Miraidon. Alors, est-ce qu'on peut loot? Ouais, on peut loot sur Miraidon. Magnifique. On peut pas trop grimper non plus. Oh, les petits étourmis! Quand je dis étour, vous dites? Arceus, de base, c'était 1 sur 4096, mais il y avait moyen de descendre à moins de 1 sur 100. Ouais, parce que quand même, enfin, je sais pas, j'en avais trouvé une dizaine, quoi, sur Arceus. Après, on les voyait très loin, quand même, sur Arceus. Je n'aime pas, c'est un peu le ratata des nouvelles générations. De qui, What what? Oh non, je sais pas. Parce que quand même, il a des belles évos, je trouve. Farop, stylé, hein. Alors, qui veut apprendre hypnose? Psychoquack? Ah non, Tarsal. Hypnose, c'est quoi déjà? Lanceur hypnotise la cible pour plonger dans un sommeil profond. On va enlever rugissement. Ouais, j'aime bien Pharamp. Après, ça dépend des jeux, mais Pharamp est plutôt stylé, hein. Étourmi, Pokémon étourneau des types normal vol. Par contre, j'aime bien les interfaces visuelles comme ça et tout, les fiches, je trouve ça plutôt joli. Leur faiblesse les force à vivre en groupe, mais quand ils deviennent trop nombreux, ils finissent par se quereller.
C'est mieux quand il est shiny après, ouais, mais ouf. J'ai l'impression qu'on peut pas trop monter très très haut avec ça. Hein. Une poké-poupée. Oh non, quelle idiote. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié d'acheter mes ingrédients de cuisine. Oh, ça me gonfle. Viens que je te fight. Ça me calmera les nerfs. Ouais, je vais te fight, quoi. Jade, l'étudiante veut se battre. C'est mieux si on peut voir le moment de la capture du shiny après. Comme ça, c'est mieux si on peut voir le moment de la capture du shiny. Alors, elle a quoi à l'épidonie? Petite morsure. La parisienne pure souche. Jade qui vient de Paname, ouais. Ah, par rapport à Poupon. Oui, d'accord. Ah, ok, ok. À Baudrive. Comment je vais garder Poussacha? C'est la magie du passé qui était sur Facebook. Oh, putain, on n'a pas fait les souvenirs Facebook aujourd'hui. Oh là là, on a oublié les souvenirs Facebook. On les fera en fin de stream. Ah bah c'est dommage parce qu'on se voit pas toujours sur la cam du combat. Et on est vachement en retrait. Parapadabadam. Aujourd'hui c'est Pokémon dans le drap. Ouais, j'étais un peu précipitée. Hein. Mais qu'est-ce que je fabrique? T'en fiche pas ça aujourd'hui, t'inquiète. Oh. Est-ce que vraiment le mot infligé est... Oh, il est tout petit! Regardez-le! Oh non! Il est trop mignon, on aurait presque roulé dessus tellement il est petit. Ah, JPP, il est trop chou. Olivini. Oh mais non. Je me disais bien que le dessus, ça avait vraiment une dégaine d'olive. Mais il ressemble à... À qui il ressemble? À... Je vais dire des conneries. Tournegrain? Oui, il ressemble un peu à Tournegrain. Il a une petite vibe un peu tournegrain. Ouais. Rose bouton. Ouais, rose bouton tournegrain. Un petit mélange entre les deux, oui. Ouais. Oui. Il est trop mignon par contre. Est-ce qu'il va devenir un martini olive après? Il va évoluer en huile d'olive, en puget. Possible. Alors, Olivini. Trop mignon. Il va être quoi? Plante fée, lui, j'imagine. Quoique. Il a des attaques fées, mais peut-être parce que c'est la version bébé d'un autre Pokémon. Il pourra apprendre Pugella. Pas mal, pas mal, pas mal. J'apprécie. J'apprécie la vanne. Olivini, trop mignon. Vous aimez les olives? Moi, je suis vraiment pas fan d'olives. En tant qu'italienne, je suis vraiment pas fan d'olives. Mais j'aime de plus en plus les tapenades. Mais genre, tu sais, les tapenades maison avec la blinde d'ail. Mais sinon, sans ça, j'aime pas trop. Olivini, Pokémon olive, jure. Et il est plante normale. Ah, pas plante fée, du coup. Et il fait quand même 6,5 kg, hein. Bon bébé, hein. Ce Pokémon convertit les nutriments en huile qu'il emmagasine dans le fruit qui surmonte sa tête. Il peut passer une semaine sans boire ni manger. Son père s'appelle Olivier, peut-être. On n'a jamais rien fait de plus horrible que l'olive. À ce point. Ah voilà, la haine de l'olive, quoi.
Seulement les olives noires. Ah ouais. Oui, c'est vrai que les olives noires et les olives vertes ont pas trop le même goût. Je sais pas ce que j'aime le moins entre les deux. Ça, par contre, il y a un gros truc qui brille là-bas. Hein. C'est un objet rare. Oh, mais là-bas aussi. Non, j'aime pas les olives, ça fait mal. J-peps. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette petite créature immonde? Qu'est-ce que c'est que ça? Le gros dog. Oh, le clébard. Oh, le gigaclebs. L'olive verte, c'est une olive pas mûre. Ah bon? Je savais pas que l'olive verte, c'était une olive pas mûre. Je pensais que c'était olive verte ou olive noire, c'était des variétés différentes. Ah, je savais pas du tout. D'où ma famille vient du Maroc, ça se mange avec du pain de la même manière qu'ici on mange de la confiture ou du beurre. Les olives? Ouais. De toute façon, dans les pays proches méditerranéens, l'olive, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est, bah, même moi, dans ma région, il y a beaucoup de trucs à l'olive, tapenade et tout machin. Je suis d'origine italienne, on met beaucoup d'olives partout. Mais ouais, je suis pas très très fan du goût de l'olive. À la limite, ouais, si c'est bien, comme je vous dis, les tapenades qui vont être très haillées et tout, pourquoi pas, mais sinon, seule, j'aime pas trop. On va remplacer griffe par vive attaque. Une olive bien claire, bien fruitée, avec la mie de pain. Nous sommes pas loin du paradis. Ça, ouais, ça par contre, l'huile d'olive, la bonne huile d'olive, c'est banger. Bah, pour mon anniversaire, on est allé dans un resto étoilé d'Antibes. Pour ceux qui connaissent peut-être, ça s'appelle le figuier Saint-Esprit. Et, oh! Pas étourvol, étourneau, non. Comment ça s'appelle? Étourvol? Ah si, c'est étourvol. Quand je dis étour! On va arrêter cette blague. Waouh! Il est haut level. Donc ouais, on est allé dans un restaurant étoilé qui s'appelle le Figuier Saint-Esprit. Très très bon, on a très très bien mangé. Et en fait, en guise... alors il y a eu les amuse-bouches, mais il y a eu aussi en fait un... On va peut-être pas l'affronter, hein, l'étourvol. Ils nous ont mis, en fait, de l'huile d'olive. Ils nous ont fait une sélection de pain. Et ils nous ont mis de l'huile d'olive vraiment artisanale et tout machin. Bah, justement, à déguster avec du pain. Tu trempes ton petit pain et tout machin. Et c'est trop bon. Hein. C'est vraiment trop bon quand t'as une vraie bonne huile d'olive avec du bon pain. À la limite, tu peux te mettre, pourquoi pas, un peu d'ail ou quoi. Mais même, t'as pas forcément besoin, quoi. Oh, le Fantominus, par contre, ça part direct. Je cuisine jamais au beurre, seulement l'huile d'olive, et je mange les olives vertes comme des cacahuètes. Alors moi, ça dépend pour la cuisine. Soit c'est beurre, soit c'est huile, mais ça dépend de ce que je cuisine, en fait. Poisson, huile... légumes, ça peut dépendre. En fait, ça dépend parce que je trouve que l'huile et le beurre, ça donne pas du tout le même goût en cuisson. Et du coup, ça va vraiment dépendre, ouais, des aliments que j'ai envie de cuisiner, quoi. On va peut-être changer. Je vais passer sur un petit cocoac. J'adore les olives sur tous les verres, justement. J'en ai mangé un petit bol tout à l'heure. Oh là là, ça se régale. Attends, mais quoi? Impossible de rappeler le Pokémon au combat? Ah! Trop chiant. Ben, on va spam vengeuse, hein.
Eh oui, il m'a regard noir, j'avais pas capté, putain. Oh, en plus, il dort maintenant, Gourmelet. Au secours. Vu qu'il dort, est-ce que j'ai le droit maintenant? Non, hein. Je crois que j'ai même pas de réveil. Huile de noix, fromage de chèvre frais et poivre, le tout sur du pain. Ah, je suis moins fan d'huile de noix. Je suis pas très noix. Oh, mais il est trop chiant, ce Fantominus! On va prendre la fuite. Fuite impossible! Oh, mais tue-moi une bonne fois pour toutes, là. Est-ce que j'ai des réveils? Ouais, j'ai un réveil. Pour le coup, le beurre cuit m'écœure énormément, donc si j'utilise autre chose que de l'huile d'olive, c'est du tournesol pour la friture. Ouais, friture, tournesol, parce que de toute façon, l'huile d'olive à très très haute température, c'est pas bon, tu peux pas faire des frites avec de l'huile d'olive et tout, c'est pas ouf. Mais beurre, ouais, je vais utiliser, par exemple, pour les œufs, obligatoirement du beurre. J'aime pas du tout les œufs cuits à l'huile d'olive. La viande rouge, je préfère au beurre, je trouve que ça apporte vraiment une saveur supplémentaire. Par contre, viande blanche, poisson... Poisson, ça dépend. Poisson, si tu le fais un peu façon meunière au beurre, c'est trop bon, mais c'est aussi très très bon à l'huile d'olive. Légumes, pareil, ça dépend un peu des envies. Allez, voix enjôleuse. Oh non. Sois pas confus, s'il te plaît. C'est bon, ça fonctionne. L'huile de colza pour la cuisine, je trouve que ça passe bien. Bah en fait, l'huile de colza, comme les huiles... toutes les huiles végétales, un peu genre isocatre et tout, tu vois. C'est très neutre en goût, en vrai. Très, très neutre. Alors que l'huile d'olive, c'est vrai que ça va te rajouter un peu une saveur. Qu'est-ce que je fais? On va spammer enjôleuse, hein. C'est quoi le Pokémon à gauche? C'est un nouveau Pokémon, comment il s'appelait? Machin Bulldog, là. Moi, je cuisine avec de l'huile de coco. J'ai jamais testé la cuisine à l'huile de coco. Machin Dog, ouais. Ouais, Machin Dog. Ce combat va être si long, les amis. J'espère que vous avez prévu un sac de couchage. Ça va qu'il fait des attaques qui ne m'affectent pas. Hein. Quand je mangeais de la viande, c'était uniquement tournesol en mode viande frite. Poisson pareil, mais de temps en temps, une purée de cabillaud plus pommes de terre avec de l'huile d'olive. Et c'est très très bon. Ouais, de fou. De fou, de fou. Ah oui, je suis déjà confus. Oh, faut suivre Fantominus, là, hein. Digne d'un Crisacier contre Crisacier, ce combat. Non, mais grave. Vas-y, on va retenter une capture, là. Let's go. Vous rappelez, il y a 5 heures, de la fille qui a des pop. Prenons notre temps. Et bah, la voici, c'est ce Fantominus. Ah, mais tellement, pour le coup, elle a pris son temps. Fantominus, Pokémon gaz de type spectre poison. Son corps est composé de gaz. Il peut ainsi envelopper un adversaire de n'importe quelle taille et le faire suffoquer. Wow, c'est horrible. Terrible. Alors, quand il y aura certains Pokémon de mon équipe qui vont évoluer, je ferai des petits changements. Attendez, je confonds les boutons. Ah, laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille, je veux soigner mes Pokémon, je t'ai dit. Poussacha, attends. Ouais, Poussacha, on va utiliser un rappel. Hein. Tant pis. Voilà. Allez, allons attraper le Clébars. Grondog. Voilà, Grondog. Euh...
Point magique. Pas mal. Il est ténèbre du coup, j'imagine. Cette tronche. Ah ouais, il est chum. Allez hop, ça part en capture. Sinon pour la viande, il y a le mélange huile de sésame et soja en friture qui passe très bien. Ouais, pour le coup, ça donne beaucoup un côté beaucoup plus des saveurs beaucoup plus asiatiques. En Asie, on utilise beaucoup d'huile de sésame pour la cuisson. Huile végétale et huile de sésame, ouais. Enfin, végétale. Quand je dis huile végétale, c'est un peu huile ouais, style olza, les trucs comme ça, quoi. Je dirais feu ténèbres. Ah, bonne question. Ouf, ouf. Allez, à la niche, le Grondog. Pas feu, sinon les attaques plantes seraient pas efficaces. Ah oui, pas faux, c'est vrai. Très peu d'huile d'olive au Japon ou en Chine. Ah bah ils ont pas d'olivier. En Japon, en tout cas, ils ont pas d'olivier. En Chine, je suis pas sûre. Mais oui, il y a pas d'olivier au Japon, ouais. Les données de Grondog ont été ajoutées au Pokédex. Pokémon Ténèbres. Pokémon Jono. Sa mâchoire et ses crocs sont bien développés. Et ses crocs bien développés sont assez puissants pour broyer des rochers. Sa graisse épaisse lui octroie une excellente protection. Allez, à la niche. Il est tellement chum. J'espère qu'il a une évolution un peu sympathique. Genre un gros gros molosse. Oh, il y a des ponchios. Oui, les petits ponchios. Trop mignon. Ah non, des rocabos, pas des ponchios. Je suis bête. Je comfends. T'es vers où? Là, je suis sortie à la sortie ouest de la ville. Messaldo. En fait, comme c'est pas... comme il n'y a pas des routes, des numéros de route, c'est difficile un peu de se repérer. Je vous montre la carte après. Oh, Cabo! C'est le coin des toutous ici, en tout cas. Hein. Rocabo Pokémon Chiot de type roche. Il vit en meute jusqu'à ce qu'il grandisse. Lorsqu'il est de mauvaise humeur, il frappe le sol avec les rochers qui ornent son cou. Mon chiot, c'est celui qui devient mastouf. Oui, un toutou énorme avec une pince-tache. Oui. Oui, je confonds toujours Ponchio et Rocabo, ouais. Mais les deux sont cute. Je suis ici. Voilà, je suis sortie à la sortie ouest, à la porte ouest. Et je suis redescendue un petit peu. Redescendue un petit peu parce qu'il y a des... Il y avait ça qui m'intriguait là-bas, là. Oh, le petit... Petit boudet, je crois que c'est ça. Hein. Ah, mais il n'y a plus le truc qui brille. Il est passé où? Bah, il a disparu. Je sais même pas ce que ça représente, du coup. Je confonds les touches des menus. Je me suis loupée. Mais reviens, n'aie pas peur. Je veux juste te capturer. Ça fait plaisir la carte, je trouve. Bien grande et tout, manquerait plus que quelques extensions. Ouais. Mais il y en aura hein, des extensions. Alors, petit boudet, level 18 quand même. On va utiliser un petit feuille magique. Oh, ça pique! Le problème, c'est que. On va tenter morsure comme ça, avec un peu de chance, il n'attaquera pas derrière. Voilà. Et on va tenter de la capture maintenant.
Let's go. Le petit boudet. Peut-être que Kusacha va bientôt évoluer, hein. Il est level 15. Gourmelet veut apprendre tir debout. Son Gourmelet, on va pas le jouer, hein. On va enlever Mimique. Ah, Vibra quoi pour Psycho Quack. À la place de Griffe. On garde combo Griffe, on enlève Griffe. Oh! Vous avez vu ce que j'ai vu? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Pokémon Anne de type sol. Malgré sa démarche un peu gauche, ce Pokémon est fort. Il peut transporter une charge qui fait 50 fois son poids sans pour autant ralentir. Oh, que si vous l'avez vu! Vous l'avez vu, les amis. D'ailleurs, on doit toujours en trouver un shiny. Hein. Oh oui, 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 vous l'avez vu. Il est ici. Salut, toi! Le feu rêve, il est là. Oui, il va rejoindre notre équipe directement. Alors, feu rêve, il n'existe pas. Comment ça, il n'existe pas? Non mais yo. Est-ce qu'il va évoluer au moins? Il n'évoluera jamais, hein. Il n'évoluera jamais. Ah non, elle recommence avec son Pokémon sosie de Karen, 40 ans. Vous êtes pas gentil. Vous avez pas le droit de mal parler de Feu Rêve. Ah non, rip pour Sacha. J'ai l'impression qu'elle est comment la difficulté sur le jeu? Classique. Classique d'un Pokémon classique. Ouais. On va appeler Psycho Quack. Rusteban. Alors, bah, il y a un premier avis sur le jeu. Écoute, des bonnes choses, des choses qui sont très très cool. J'aime beaucoup les environnements, les captures, les combats. Tout est très chouette. Il y a beaucoup de variétés de Pokémon qu'on trouve dans la map. J'ai été un peu déçue de la ville. Messaldo, la grande ville, là. De pas pouvoir rentrer dans les boutiques, de pas pouvoir rentrer dans les bâtiments. C'est une très grande ville qui est très vide et qui est très grande pour rien. Des côtés cool, mais des côtés un peu moins cool. Allez, te blesse pas dans la confusion, s'il te plaît. C'est pas ouf, hein. Pauvre du tout. Est-ce qu'un pistolet à eau, ça lui fera des dégâts? Ou vibre à quoi? Je suis pas sûre, hein. Normalement, non. Ah! Feu vos rêves. Tellement ce Pokémon est un cauchemar. Eh oh! Je n'ai pas ce Pokémon, objectivement, on en pense quoi? Meilleur Pokémon. De manière objective, dans sur un. Sur Perle, j'avais quasiment toujours un Magirev en début de game. Je prenais le temps de capturer Feuforef, c'est le meilleur type Spectre en début de jeu. Tu peux pas faire évoluer Spectrum. Ouais, hein. Non, non, mais c'est un bon... Pas dégueu comme Pokémon Spectre. Après oui, il est bien mieux en Magirev qu'en Feuforev. Parce que Feuforev tout seul, il est un peu faible. Alors que Magirev, c'est un bon Pokémon. Mais j'ai toujours préféré Feuforev à Magirev. Du coup, souvent, je les fais pas évoluer. J'ai exactement le même avis que toi concernant la grande ville. Ouais, on est d'accord. Hein. Et tiens, j'ai une question du coup, Esteban, vu que tu dois être un peu plus en avance que moi dans le jeu. Est-ce qu'on peut changer de tenue? Je parle pas des accessoires, des baskets, chapeaux, etc. machin. Je parle vraiment du haut et du bas. Mis à part les quatre uniformes que tu as.
Est-ce qu'il y a d'autres vêtements que tu peux acheter? Parce que dans la ville, il n'y a pas de boutique de vêtements. Je suis pas allée dans d'autres villes. Donc après, je sais pas, mais ça nous paraît un peu chelou. Est-ce que j'aimerais qu'elle le mette KO sur un coup critique? Mais vous êtes pas gentil! Voilà! Feu pour rêve! Ah, dommage! Dommage parce que Poussacha aurait pu passer niveau 16 ici. Et peut-être, je sais pas s'il évolue niveau 16 ou niveau 18. Généralement, c'est souvent ça, hein, les premières évolutions. Frotte frimousse pour Pichu? Effectivement. J'ai enlevé Mimiqueux. Magnifique vue sur le fiac de Courmelet, toujours. Feu pour rêve, Pokémon Spectre. Il adore mordre les gens et leur tirer les cheveux par surprise, juste pour voir leur réaction. Un Pokémon exceptionnel, voilà. Est-ce que j'enlève Gourmelet? Je voulais le faire évoluer, mais en vrai flemme. Je trouverais forcément son évolution à un moment donné, non? Ou alors Tissamboule. Tissamboule que je n'utilise jamais. On va enlever Tissamboule. Ça parle de la serpillère shiny, mais Palkia shiny aussi attend toujours. C'est tabou, ça. Hein. Pas en parler. Hein. Alors attendez, parce qu'il y avait un truc, un grand faisceau lumineux qui brillait là dans le coin. J'ai pas compris ce que c'était. Ça a des pop. Mais j'entends un drôle de bruit. C'est quoi ce bruit qu'on entend ? C'est chelou, non? Vous voyez, c'était un faisceau lumineux comme ça, mais en doré. C'était pas exactement cela, c'était un gros truc doré. Et c'était ici, là. Bah, là où il y a ce bruit. Je comprends pas le délire. Cherche, Gourmelet, cherche! Il va me ramener des truffes. Il préfère buter des tiltons. Oh non, Gourmelet, il s'est fait... Il s'est fait bully par un tilton! Oh, tu sers vraiment à rien. C'est mignon, par contre, ce petit Pokémon, là. Il est trop choupi. Mais j'aimerais bien repasser par un centre Pokémon. Je vais passer au centre Pokémon pour soigner mon équipe. Bah écoutez, je sais pas ce que c'était ce gros faisceau lumineux. Je sais pas si je vais le revoir là, au loin. Oh, il y a ce petit bidule là, comme la dernière fois. Pièce du mordu d'or. Du Mordor. Oh putain. J'ai voulu prendre un isque. Oh non! Je voulais prendre un isque. Yahoo! Eh ouais. Vous savez pas faire ça, vous. Ah, attends, et si je fais un pique-nique? Est-ce que ça rend la santé de mes Pokémon? Pique-nique? Vous pouvez pas faire de pique-nique? Ah, j'enlève la monture. Il n'y a pas assez de place pour vos Pokémon. Comment ça? Il y a plein de place ici. Ah. Waouh. Ah oui, c'est un pique-nique de haute qualité. Les pique-niques. Vous pouvez pique-niquer avec des Pokémon de votre équipe. Par ailleurs, si vous jouez avec des amis au sein d'un club d'union, vous pourrez également faire des pique-niques avec eux. Il est impossible d'installer une table de pique-nique en ville, ou dans des endroits étroits ou trop escarpés. Lorsque vous souhaitez faire un pique-nique, choisissez un lieu dégagé situé en dehors des villes. Ouah, trop mignon.
Oh, Pichou, il fait dodo! Mais il fait dodo à même le sol, comme ça, comme un vieux schlag. Et du coup, est-ce que je peux faire des... des sandwichs? Toiletté. Le toilettage Pokémon. Si un Pokémon de votre équipe, c'est Sally. Oh, mais c'est comme dans XY, ça! C'est dans XY que tu pouvais faire du toilettage. Vous pouvez le pomponner grâce au Poké Toilettage. Laver un Pokémon permet également de restaurer ses PV et de resserrer les liens que vous entretenez. Pichu, il combat même pas, il est fatigué. Ah bah, c'est un bébé, hein, écoute. Hein. Oh. Et du coup ouais, personne ne sait concernant Esteban. Je me suis dit que peut-être tu savais si on pouvait acheter des vêtements. Enfin, des vêtements, des hauts et des bas, quoi. Oh mais non, c'est une petite éponge Watt. Elle est trop mignonne, je veux la même. On fait mousser. Ah bah attends, il faut passer à l'éléphant bleu, là. Hein. Normal. Et voilà, tout propre, tout beau. Magnifique. Salut Tizuku, comment ça va? Et ouais, les sandwichs... c'est un set de pique-nique, que voulez-vous faire? Ah oui. Faire un sandwich. Let's go make a sandwich. Préparer un sandwich. Essayez de préparer un délicieux sandwich en disposant vos ingrédients préférés entre deux tranches de pain. Si vous faites un pique-nique avec vos amis, vous pouvez aussi préparer des sandwichs avec eux. Vous pouvez acheter les ingrédients et les piques nécessaires à la préparation des sandwichs dans les boutiques situées dans les différentes villes de la région. Ok. Avec le mode recette, les ingrédients sont choisis automatiquement. Disposez-les bien sur le pain et c'est prêt. Si vous faites tomber des ingrédients ou que vous en utilisez des différents, vous obtiendrez un autre sandwich. Les aliments consommés au restaurant ou lors d'un pique-nique octroient des auras gustatives à vos Pokémon. Leurs effets dépendront des ingrédients utilisés en cuisine. Remarque, les auras ont un type et n'affectent que les Pokémon de type identique. Aura œuf. Trouver des œufs est plus facile. Capture. Capturer des Pokémon est plus facile. Expérience. Plus de points d'expérience reçus. Échantillon. Plus d'échantillons reçus. Raid. Plus de récompenses reçues après un raid. Insigne. Plus de Pokémon avec un insigne. Brillance. Plus de Pokémon chromatiques. Géante. Plus de Pokémon de grande taille. Minuscule. De petite taille. Rencontre. Plus de Pokémon de certains types. Oh, mais c'est de faire brillance. Jambon beurre, sandwich à la confiture, sandwich au jambon, au cornichon, sandwich au fromage. Et du coup, ça nous dit pas les auras, là? Il y a le mode créatif. Oh, préparez vos... On va faire le mode créatif. On va faire... jambon. Fromage. Salade de patates. Et un peu de chorizo. En condiment. Ah, mais non, attends. Je reviens en arrière. J'enlève le chorizo. Je savais pas qu'il y avait des condiments. Jambon, fromage. Ou des fraises. Oh non. Ok. Avec... du beurre. Ok, c'est tout. Alors, attends. Jambon, fromage. Salade de patates. Beurre, sel. Oh là, non, pas trop de sel. C'est pas bon pour le cœur. Et un petit fagnon. Jambon, beurre, the French baguette. Ok, maintenant j'ajoute la garniture. Le beurre est déjà mis. On prend la salade de patates. On va mettre une tranche de jambon là. Ah, on peut pas les déplacer une fois qu'ils sont placés. Ok. Ah, ça va tomber. Ah, ça tombe.
C'est horrible. Ah non! Oh, il ressemble à rien, mon sandwich. Je cuisine pas mieux hein, dans la vraie vie. Hein. Je vous jure. C'est ouais, ça fait un peu mini-jeu dans WarioWare, je suis d'accord. Oh, c'est horrible. Même mes Pokémon, ils en voudront pas. Bon, ça, ça a pas l'air de déplaire, hein. 3 étoiles. Eh, je suis chef ou je suis pas chef? Aura rencontre insecte, aura raid acier, aura expérience spectre. Allez, hein. Je peux en faire un autre? Je vais refaire un sandwich. Pire sandwich ever, même dans la pire boulangerie où je suis allée, ils n'en ont pas servi des comme ça. J'ai envie de refaire mode créatif. On va faire un truc salé maintenant en dessert. Du coup, ce sera fraise. J'ai pas plus de sucré. Fromage frais et confiture de baie, parce que le mélange des deux est super bon. Et puis le pic à fanion rouge. Ah, mais ils appliquent déjà les trucs. C'est pas très drôle. Je mets juste la fraise, quoi, en fait. On va bien s'appliquer pour mettre les fraises. Waouh. Oh. Oh. En fait, le truc, c'est que je me fais un peu 3D head, quoi. Ouf. Pas mal. Il mange par politesse. Eh. Ah. Ouais, c'est pas sexy, mais... Après, en vrai, fromage blanc, confiture de... Ça a l'air d'être genre myrtille ou quoi, plus fraise. Très bon, hein. Et là, 1 étoile. Après, ça manque peut-être un peu d'ingrédients. Hein. Il mange. 3 étoiles aussi. Je sais pas combien tu peux en avoir max, mais... Aura capture combat, aura échantillon psy et aura œuf. J'ai pas eu d'aura brillant. Ça méritait un clip. Tu m'étonnes. Oh, faut que je revoie la gueule de ce sandwich. Oh là là, attendez. On se mate ça. Jambon beurre the French baguette. Ok, maintenant j'ajoute la garniture. Le beurre est déjà mis. On prend la salade de patates. On va mettre... Attendez, j'avance jusqu'au moment fatidique, au moment fatidique où tout commence à se casser la gueule. En fait, il faut vraiment mettre un peu plus en arrière. Parce que, en fait, t'as pas la bonne perspective de la vue en haut. Il faut vraiment mettre un peu plus en retrait. Ah non. Par contre, le fromage, il fait pas envie, ni le jambon. Oh la gueule du truc. Oh, il ressemble à rien, mon sandwich. Oh, et le pain qui tombe... En fait, le pain qui tombe et qui se pète la gueule, c'est vraiment le... le pampan sur la Garonne, comme on dit. C'est... Y a plus rien qui va. Même le pain du haut n'a pas envie d'être là, quoi. Dis non, mais frère, t'as vraiment cru que j'allais recouvrir ta merde, là? Non, hein. On peut jouer à la baballe, mais il y a tout le monde qui dort. Allez, chercher la balle. Ah oui, on peut dribbler? Ah oui, je peux dribbler avec. C'est mieux que FIFA. Littéralement mieux que FIFA.
Alors avant, on pouvait dans les campings, on pouvait leur dire d'aller chercher la balle. Oh mais non, mais tu l'as lancé trop loin, Gourmelet. Putain, tu vas finir en chorizo, toi. Hein. Ma parole, t'es vraiment le pire. Hein. Super, t'as cru que c'était gratuit les balles ou quoi? Sans déconner, on va jouer au foot avec toi la prochaine fois. Hein. Oh, faux rêve. Mais arrêtez de lancer ce ballon dans l'eau. Merci Tarsal d'avoir fait l'effort d'essayer de chercher la balle. Quand tous tes petits camarades ils lancent le ballon dans l'eau là. Putain. Ça dégoûte. Et le pote en bavard. Bon, mettons fin au pique-nique. Du coup, je sais pas s'ils ont récupéré de la vie. Oh, niveau 16 pour Poussacha. It's time. Ouais, oh. Félicitations, Poussacha évolue en Matourgeon. Il a un côté chapeauté, je trouve, avec ce look, non? Le fait qu'il soit bipède, la petite dégaine un peu fière, un peu sûre de lui et tout. Il a un côté chapeauté, je trouve. Il a évolué en jouant la balle, et ouais, hein. Matourgeon, Pokémon chat-plante. La rigidité de ses poils dépend de son état d'esprit. Quand il se prépare au combat, ceux-ci se hérissent et sont acérés comme des aiguilles. Excusez-moi. Lui manque des bottes et l'épée. Ouais, hein, mais on y croirait presque. On y croirait presque, pour le coup. Alors, le truc, c'est que... J'ai sauté de la falaise, mais je sais pas où est-ce qu'on a atterri. Faudrait que je remonte par où. Ah, mais attends, mais comment j'ai fait pour atterrir là? Attends. Ah mais non, je suis con. C'est vrai que la carte se tourne. Je me disais, mais quoi? Je sais pas si je peux remonter par ici, en fait. Sinon, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse le tour par là. Ouais, que je monte par là, comme ça. Que je longe ici. Ouais, mais c'est con, je voulais aller ici. Ah, mais je peux me TP, en fait. Ouais, je vais voler jusqu'à cet endroit. Je voulais passer au centre Pokémon, en fait. L'ambiance le soir, ça fait un peu Animal Crossing, je trouve, c'est plaisant. Dans les pique-niques ou même de manière générale dans le jeu? Ah, les petits passages au centre Pokémon. Il n'y a plus hein, le rayon doré là. Hein. Ah si, il y est à nouveau! Oh! Ouais, mais bon, la dernière fois qu'on y allait, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien. Si, je pense qu'il y avait un truc à faire, mais... Et moi, je voyais pas, quoi. Ah, il y a des tours de grains. Ici aussi. Bon, attendez, d'abord, petit passage au centre Pokémon avant toute chose. Ne brûlons pas les étapes. Pili-balim, pam, pi-boubim. Allez, on soigne toute cette petite équipe. Je sais pas si vous le savez, mais... Verrouiller une cible. Appuyez sur le bouton ZL pour verrouiller un Pokémon. Ah, situé à proximité. Lorsqu'une cible est verrouillée, vous pouvez déclencher un combat. Ok. Eh ben non, je ne le savais pas. Merci à toi. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un truc. C'est que je vais changer... Je vais changer Gourmelet. On va virer Gourmelet. Qu'est-ce qu'on a pas comme type dans l'équipe? On a eau, on a électrique. On a plante, spectre. Non, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place?
petit boudet. Pourquoi pas un petit boudet en vrai? Parce que Gourmelet, il fait pas beaucoup de dégâts, alors que Thiboudet, je pense qu'il tank bien. Ouais. Ce sera pas mal, Thiboudet. Ok, et on va acheter la blinde de Pokéball. Faut penser au chat de Monster Hunter Stories un peu. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, t'as raison, je sais Sonic. Alors, Pokéball. On va en acheter une vingtaine. Je paye en liquide. Ah, et j'ai une poussière d'étoile à vendre. On va se faire un petit peu de sous-sous. Good. Good, good, good. Ok. Tu t'es planté de ligne. Comme ça, je me suis planté de ligne. Vis-à-vis de quoi? Ah, pour... Je suis sûre que tu voulais que je vire Feu Forêt à la place de Gourmelet. T'as pas pris de Pokéball? Ah non, quoi? Quoi? J'ai pris de Pokéball? J'ai pris quoi d'autre à la place? Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pris 20 potions! Merde! Écoute, ça fera toujours ça? Ce sera toujours ça de prix? Alors en fait, il y a un truc, je sais pas ce que vous en pensez. Hop, 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 salut toi! Pour ceux qui sont peut-être un peu plus avancés dans le jeu que moi, vous me donnerez votre avis, mais... Parce que là, j'ai pas envie de trop farmer la zone et d'arriver à l'arène et de pulvériser l'arène parce que mes Pokémon seront un peu trop forts. Parce que en vrai, il y a beaucoup de trucs à explorer, beaucoup de trucs à faire, plein de Pokémon à voir et tout machin. Oh. Dégage Donald Trump. Et je sais pas, j'ai peur de trop farm. Bon, est-ce qu'on va voir le truc doré qui est là-bas, là? Oh, il y a des Krixik. Krixik, niveau 7. On va lui faire une petite vie d'attaque. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu récupères moins d'argent que d'habitude. Et ouais, t'as quand même moins de combats, hein. Je suis d'accord. Là, j'ai vu qu'il y avait un dresseur là-haut. Faudrait qu'on le fight. Le Krixik. Je peux farmer le niveau minimum 19. Minimum 19 pour la prochaine arène, c'est ça? Ouais. Ouais, en fait, mis à part mon starter, ils sont pas très très élevés. Hein. Krixik, Pokémon criqué. Quand ses antennes s'entrechoquent, elles produisent des sons agréables qui rappellent ceux d'un xylophone. Il y a beaucoup moins de dresseurs. Eh ouais, c'est ça. Donc, après, vu que tu lootes quand même pas mal d'objets, peut-être que tu pourras les revendre suffisamment bien pour te faire un peu de thunes et tout. En vrai, il y a plus de 500 combats contre 150 environ pour épée et bouclier. Ah ouais? Ah non, bah si, quand même. Peut-être parce que la zone est grande qu'on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de dresseurs. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Ah! Ok. Oh! Excusez-nous, Le mec, il a le Panthéon sur la tête, quoi. Attraper un Pokémon Terra Crystal sauvage. Il est impossible d'attraper un Pokémon pendant qu'il est Terra Crystallisé. Vous devez donc faire baisser ses PV afin d'annuler sa transformation. Il sera alors possible de l'attraper. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à attraper ces Pokémon-là?
Est-ce qu'ils sont plus forts que les autres? Est-ce qu'ils ont des meilleures stats? Ou est-ce que c'est juste pour le fun? Oh là là, l'esquive! Ils ont une terra cristallisation différente des basiques. Ok. Donc là, on peut le capturer. Esgong, le topiqueur. Donc là, j'avais l'impression qu'il avait un type roche. Non ? Enfin, qui est terra cristallisé en type roche. Topiqueur ! Son épiderme est très fin, bon ça on l'a déjà lu, parce qu'on en avait déjà un. Oh ! Pichu évolue ! Oh oui ! Waouh ! Félicitations, Pichu évolue en Pikachu ! Pikachu, Pokémon souris de type électrique. Quand plusieurs de ces Pokémon se réunissent, ils provoquent de gigantesques orages. It's Pikachu! Et là-bas, c'est quoi? Bienvenue! Merci, c'est moi. Oui, parce que Maeva, ça veut dire bienvenue. Pour vous accueillir comme il se doit, que diriez-vous d'un combat électrisant? Hortense, la serveuse, veut se battre. Jure Horty! Moi, je trouve sympa son look à ma tourjon, hein. Il est pas mal. Allez, petite feuille magique. Pour Pichu. Oh non, Hortense! C'est une dernière service! Oh bébou! Pardon. Je voulais pas te faire de la peine. Qu'est-ce que c'est ça? Une antre? Les cristaux. Des cristaux brillants sont disséminés à travers la région Paldéen. En les examinant de plus près, vous pourrez participer à un raid Terra Crystal. C'est un raid, une antre. Et essayer de vaincre un Pokémon Terra Crystal. Ok. Les raids Terra Crystal. Lors des raids Terra Crystal, vous devrez affronter un puissant Pokémon Terra Crystal avec d'autres dresseurs. Si vous êtes en mode hors ligne, vous coopérez avec des amis à proximité. Et si vous êtes en mode en ligne, vous coopérez avec des amis éloignés. Et on peut pas les faire avec... On pouvait le faire en hors ligne avec des PNJ dans épée et bouclier. Lors des raids, vous affronterez les Pokémon Terra Crystal de type Terra Crystal rare. Si vous parvenez à les vaincre en coopérant avec les autres dresseurs, vous aurez une chance de les attraper et vous recevrez un objet spécial. Ah, tu peux faire avec des bottes aussi. Ah, ok. Tout va bien. Ok, c'est un tout doudou. Tout doudou feu ? Trop marrant. Trop marrant. Bah écoutez, est-ce qu'on se le tente? Ah, je sais pas si on se le tente. Ah, j'ai eu des PL. Est-ce que là, je vais arriver à ma destination, là? Ouais, je vais arriver à Sevaro. Écoutez, est-ce qu'on se tente, ce petit raid? Si vous voulez me rejoindre comme ça, vous pouvez me rejoindre. Partir à plusieurs. Attends, il est feu. On va changer de Pokémon. Bah du coup, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Oh, vous avez 3 minutes. Dépêchez-vous. Le mot de passe est 9068. Donc allez-y. Et on va changer de Pokémon du coup. Je vais partir sur... sur Psychoquack. Ouais. Le temps que ça se lance de ouf. De ouf. Fais gaffe avec des gens, ça te dévoile des évolutions si jamais tu veux pas. Ouah, ça devrait aller. Hein. Ah mais attends, je suis en mode... Pourquoi je suis en mode hors ligne? Attendez.
Je quitte le raid. Pourquoi ça me met en mode hors ligne? Il faut que je me connecte d'abord. Je me souviens plus comment on faisait dans épée bouclier. Déjà, je vais sauvegarder. Poképortail? Non, j'ai pas besoin de passer par le Poképortail. Si? Red Terra Crystal? Ou alors vous... Ah non, mais ça, c'est rechercher un... Ah bah non, je pense qu'en fait, vous avez juste à taper le mot de passe. Hein. Parce que regardez, pour moi, pour rechercher un raid, j'ai juste à mettre le code. Ah, mais il y avait connexion Internet. Hop. Voilà, je me connecte. Oui. Voilà, ok. Magnifique. Ok, je sors de là. Maintenant, je suis en ligne. Voilà. Ou partir à plusieurs. Inviter via mot de passe. On va mettre 1, 2, 3, 4. Comme ça, voilà, ce sera pas compliqué. Ah bah non, le mot de passe est auto-généré. Tout va bien. Du coup, c'est UCPNVK, les amis. UCPNVK. Et on est sur un tout doudou Terra Crystal Feu. Moi, je vais partir avec un Psycho Quack. Alors, j'ai pas de Pokémon O plus sympa, malheureusement. Après, pourquoi pas un Thiboudet, hein. Peut-être plutôt Thiboudet. Fais voir... Il a quoi? Mur de fer, double pied, piétisol? Je pense que je vais plutôt prendre Thiboudet. Ce sera plus sympa à mon avis. Ouais. On a Maléo qui nous a rejoint. Salut Jolie Plume. Ça va bien? Oh, c'est l'évolution de Axolotl. Il a Maléo? On dirait un peu le Axolotl. On a Johnny! J'ai ça Sony qui nous rejoint avec son chouchoudil. J'arrive si j'arrive à comprendre. Ça marche, ça marche. Du coup, ouais, faut aller dans Portail, Red Terra Crystal, rejoindre et tu tapes le code, ouais. Et coucou Maléo, ça va bien? Mais t'es en lurk. Peut-être apprendre le nouveau Pokémon. Écoute, pour l'instant, je m'amuse bien. Je trouve qu'il est, il est agréable à parcourir. Le côté exploration, pour l'instant, est très très chouette. On retrouve un peu des vibes de Pokémon Légende Arceus où tu te perds un petit peu partout, tu vois des Pokémon vraiment tous les 10 mètres. Pour ce côté-là, il est vraiment très très chouette. Il y a quelques points qui m'ont un petit peu déçu. Alors après, je parle pas des graphismes, puisque les graphismes, voilà, ils sont comme ça et pour moi, c'est pas non plus gage d'un mauvais jeu. Hein. Tu peux avoir un jeu qui est très très bien, mais qui malheureusement est pas forcément très joli. Il y a un truc qui m'a un peu gâché, c'est... qui m'a un peu déçu, c'est que dans les villes, il y a très peu d'exploration de bâtiments. Tu sais, tu peux pas trop rentrer dans les bâtiments, aller dans les maisons des gens et tout. Et ça, j'avoue que j'étais un peu... Pourtant, d'habitude, tu peux tout le temps le faire, quoi. Et là, c'est pas trop le cas. Et pour l'instant, c'est vraiment le truc... Alors après, j'ai fait que le... L'intro, on va dire. Mais pour l'instant, c'est le seul truc qui m'a un peu vraiment déçu. Oh là là, mais c'est le raid des fleurs! Oh là là, bonjour les fleurs! Merci Pompon pour le raid. J'espère que tu as fait une bonne session sur Pokémon. Je sais pas ce que t'en as pensé, du coup, bah, je suis pas du tout passée, parce que je suis aussi dans la boucle. Hein. Mais je sais pas ce que t'en as pensé, j'espère que tu t'amuses bien dessus. Nous, on se fait un petit raid là, on teste le raid. J'ai encore fait aucune arène ni rien du tout. Je suis sortie de la ville et je me suis dirigée vers la première arène, l'arène insecte. Et puis voilà, on n'a pas trop vu encore pour le moment. Bienvenue à toutes les fleurs en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aussi si vous me découvrez. Merci, merci beaucoup à tous pour vos follow. Bienvenue, bienvenue. Là, on va partir du coup en raid sur un tout doudou Terra Crystal Feu. Salut à tous. Coucou. J'espère que ça s'est bien passé avec Pompon. Alors, j'imagine que les raids, ils doivent se dérouler un peu comme dans Épée Bouclier. Hein. Ils ont peut-être pas dû trop changer la formule. Ouais, salut, je suis nouveau, je découvre ta chaîne. Jure que Scarlar, nouveau et déjà plus d'un an de sub, c'est beau.
Un vrai viewer de l'ombre. Oh la musique! Ok, on a attaque, encouragement ou fuite. Moi je vais attaquer avec piétisol. Mais d'accord que ça va rien faire à mes mates le piétisol. On peut l'attraper maintenant? Déjà? Bon après c'était un tout doudou mais quand même. Oh l'animation exceptionnelle! La Pokéball de cristal. Eh ben écoutez... Oh! Magnifique! C'était rapide! J'ai même pas eu le temps de... J'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. Et on obtient pas mal d'objets aussi. Hein. Bah, c'est un peu comme les raids de épée bouclier, ouais. Tu as pris quel starter? Alors du coup... Pour les petits curieux, je suis sur violet. Donc, bah, vu que vous venez de chez Pompon, vous avez une version différente. Et j'ai pris Poussacha. Voilà. Team Raisin. Team Raisin ici, ouais. Toutoudou, du coup. Alors, je l'avais déjà, Toutoudou. Et lui, il se terracristallise en feu. C'est intéressant. Mais alors, du coup, j'ai une question. Parce que là, c'est le deuxième Pokémon avec une terracristallisation particulière que je viens de capturer. Merde. Je confonds encore les boutons. Est-ce que ça se voit, en fait, les Pokémon que tu as capturés avec une terracristallisation particulière? Est-ce que c'est marqué quelque part? Est-ce qu'on avait le Topicœur? Lui, là? Ah oui, ça marque Terra Crista, feu du coup. Enfin le là, le symbole cristal là, feu, et lui, le symbole cristal, il est en roche. Ok. D'accord. Ok, cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Ouais, intéressant. Meilleure version, violet. Ouais, ouais, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup avec le Miraidon qui est grave BG en plus, hein. Il est très très stylé le Miraidon. J'aime beaucoup. Ok, on va descendre sur la ville du coup. Tranquillou bilou. Putain, j'ai cru que c'est quelqu'un là-bas, mais pas du tout. Absolument pas, c'était une cagette. Le tien il roule vraiment. Ah ouais, parce que Coraidon il roule pas. Y a pas d'animation de roue. Ah ouais. Ah oui, là y a vraiment une animation de roue. Avec ses propulseurs là. Il est stylé. Non, il court. Ah oui, c'est vrai qu'il court. Non, lui, il range ses pattes. Vous voyez, il les relève. Et c'est roule. Hein. Il marche très vite. Ah ouais, ça doit faire bizarre, non? Il doit être en mode... Comme ça. Non, ouais, moi, j'ai une vraie moto, moi. Attention. Je suis une vraie motarde. Je fais lever et tout. Il a des roues et il court. C'est vrai qu'en plus, il a des roues, en fait, Coraidon aussi. Hein. Yo, qui s'y connaît en combat ici? Salutations, je représente la Ligue Pokémon. Je sens que les combats, ça vous connaît. Vous avez réussi à vaincre 2 dresseurs dans la zone sud numéro 2. Une fois que vous aurez réussi à battre 5 dresseurs au total, vous aurez droit à une splendide récompense. Est-ce qu'on les affronte, les 5 dresseurs? Ouais, vas-y. Est-ce que je peux sauter? Ouais! Je peux sauter. Alors après, je sais pas si à un moment donné... Attention, spoil no, hein. Je sais pas si à un moment on va pouvoir voler. Je crois qu'à un moment on peut voler, hein. Mais je l'ai pas encore du tout débloqué, ça. Bon, on va affronter les 3 autres dresseurs. Comme ça, on aura notre petite surprise. C'est quoi la Team Star? C'est les méchants. C'est des racailles. T'élèves à l'académie, non? Tu connais la Team Star? Vincent le livreur! Bisous Mister Dream, bonne soirée, ça marche. Gros gros bisous. Le vol c'est niveau 60 comme dans WoW. Oh putain, il va falloir pex alors. C'est moi ou Miraidon saute moins haut que Coraidon? Ah vous pensez? Ce serait bizarre quand même. Ça voudrait dire que du coup tu aurais accès à plus de hauteur et plus de plateforme avec un des Pokémon. Ouais le livreur! Je me demande pourquoi tu le soutiens, Vintard. Hein.
un petit feuillage pour terminer. En tout cas, Coraidon avait l'air de sauter très très haut. Ah ouais? Bon. En lay. Tarsal veut apprendre Vampy Baiser. Ouais, why not? Ça fait 50 en spé. Je pense que je vais enlever reflet. Ouais. Salut Lucille, comment ça va? Et bien évidemment, coucou aussi à tous ceux qui sont arrivés du raid. Désolée, j'ai pas pu vous dire bonjour un par un. Mais bonjour à tous et merci beaucoup à tous ceux qui ont follow la chaîne, bien sûr. J'aime bien la pose de Matourjon. Ouais, je le trouve... Je le trouve stylé, hein. Il a du flow, hein. Il y a vraiment du flow. Après, c'est peut-être... C'est peut-être une impression dans l'animation, tu sais, des fois en fonction des animations, t'as l'impression qu'il y en a un qui saute peut-être plus haut que l'autre, mais ouais, ce serait bizarre que, par exemple, Coraidon saute une fois et demie de plus que Miraidon et que du coup tu puisses atteindre plus de plateformes, je sais pas. Vincent Livreur voit un Grondog. Il est ténèbre, un Grondog, on avait dit, donc on change pas. Il a une rose dans la bouche. C'est pas dans la bouche, c'est sur son col qu'il en a une. Ouais, c'est une sorte de petit bouton, comme un petit bourgeon, ouais. Alors, Grondog. Grondog. Allez, feuillage. Ah, mais non, ok, il l'utilise pour attaquer. Alors oui, parce que mon Matourjon vient d'évoluer, hein. Du coup, il le détend et il le... Chut, vous avez vu? Regardez l'animation. Ça fait comme un yo-yo. Ah ouais, il l'utilise un peu comme un yo-yo. C'est marrant. Après, je trouve que la caméra de... des combats, elle est pas mal parce que tu peux la bouger. Mais tu... Alors, tu te vois quasiment pas toi. Et je sais pas, tu peux pas bien... une très bonne vue. Bébé! Pleure pas, bébé. Viens voir. Tiens. Ah, mais t'as un bâton. Oh, bah, c'est bon. Tu peux pas pioupiouter. Merci, Vintarm. Parce qu'il y a Kiwi qui est partie, donc elle pioupioute. Mais elle a un petit bâton. Vincent le livreur envoie un petit boudet. On va changer, on va prendre un feu faux rêve. Je parle à 70 viewers, je reviens, on en a 1700. What happened? Il y a eu un raid de pompons. Viens, mon bébé. J'ai volé ton bâton. Tiens, attends, je te donne un petit biscuit de la part de Vintard. Et après, je te redonne ton bâton. Tiens, tiens, prends-le. Elle s'en fout. Elle veut son bâton. Tu prends ça? Tu veux? Allez, prends-le. J'en ai rien à foutre. Ok, j'ai compris, c'est ça que tu veux. Oh non, Vintard. Oh non. Je suis triste pour toi. Désolée. Un peu moins bien que la caméra de Arceus, c'est dommage. Pour les combats, oui, je suis d'accord. Après, pour les déplacements et tout, elle est cool, hein. Mais c'est vrai que dans les combats, j'arrive moins à avoir des petites prises de vue un peu sympas. La POV est pas ouf. Alors après, tu peux la recentrer comme ça, mais... C'est vrai que c'est dommage parce que du coup tu te vois pas toi. Tu vois ton Pokémon mais toi tu te vois pas très bien. Oh, ah ouais. Thibaudet en vrai en early. Alors après je sais pas s'il est fort dans cette méta mais je trouve qu'en early Thibaudet c'est fort. Hein. Parce que ça tank vraiment beaucoup. Et ça fait des bons dégâts quand même. Hein. On va lui tenter une petite onde folie. Tu as eu des shiny ou pas encore? Non pas encore. Oh mais quel enfer. Je suis pas spécialement d'accord, je trouve cette caméra plus immersive que sur Arceus. Le fait de voir le dresseur, je trouve que ça rendait les fights moins dynamiques. Ah ouais? Ah après, je pense que c'est une question de goût aussi, hein. Il y a moyen, hein.
Est-ce qu'on tenterait pas une terra cristallisation pour essayer de faire un max de dégâts? Puis comme ça, on voit la terra cristallisation de Feuforêve. Par contre, trop bizarre, je n'ai pas vu la récompense s'afficher quand je F5. Je n'ai payé que 1500. Ah ouais? Pourtant, tout à l'heure, on les a vus, les récompenses des autres biscuits. Putain, t'as hack le système, Vantard, t'as pas honte. C'est donc toi, Cassiopée? Non, ouais, je sais pas. Alors après, pour l'animation, peut-être que c'est à cause des... Quoique non, parce que c'est pas dans la même queue que les animations de follow, etc. C'est pas le même, c'est pas les mêmes alertes. Parce que j'allais dire peut-être que les alertes prennent du temps, mais c'est pas censé être la même chose. Ah, je sais pas, c'est chelou, hein. C'est horrible, je lui fais aucun dégât par contre, les amis. Non, le message dans le chat, je parle. Et 1500, c'est le prix hier, donc je sais pas. Ouais! Ah, parce que normalement, j'ai remis à 3000. Et le message dans le chat? Non, moi je le vois. Hein. Moi je le vois. Dans le chat, hein, je veux dire. Coucou Zampil, ça va bien? Moi, je peux pas en prendre des friandises à la coup. Bah là, il y a toutes les friandises qui sont parties là aujourd'hui. Le nonos et les trois biscuits. Putain, il a monté sa défense au max. JPP. En même temps, il peut pas m'attaquer, donc bon. Il a que ça à faire, hein, que d'augmenter sa défense. J'aime bien le... l'icône de terra cristallisation de Spectre. Elle est marrante, le petit fantôme, là, non? J'aime bien, je trouve ça sympa. C'est pas mieux choc mental pour un sol? Si, je pense que choc mental, ça lui faisait plus de dégâts. Mais du coup, vu que là, en fait, vu que là, je suis terra cristallisée en Spectre, le mieux, c'est d'attaquer en Spectre, non? J'étais tellement concentrée sur la Team Star que j'ai perdu le combat. Le bouffe! Oh, 2200 Poké-Dollars! Putain, il ralasse lui. Parce qu'ici, il rapportait pas beaucoup, les gens. C'est une ref au premier jeu Pokémon. Ah ouais? Vis-à-vis de quoi? D'un sprite particulier? Ah putain, comment il s'appelle lui déjà? On dirait un... C'est Lutin! Mais oui, je l'avais vu, c'est Lutin. Je l'avais vu, c'est Lutin. On dirait un Toad. Ou un Champi plutôt. Tu sais, un Champi de Mario, mais version Roche. Je l'avais vu passer celui-là. C'est Lutin... Et un caillou, petite feuille magique. Mais un Pokémon qui avait cette forme. C'était un bug, je crois, je sais plus trop. Ah ouais? Je crois que oui, ça donne un buff en plus du stap, de la terra cristallisation quand tu terra cristallises dans ton type initial. Ouais, je crois aussi. Alors après, au niveau des pourcentages et tout, je sais pas ce que ça donne, mais ouais. Je l'ai buté, malheureusement. J'aurais aimé le capturer. Alors là, il y a encore un raid. Et là, l'objectif, c'est surtout de trouver des dresseurs. Je pense que pour trouver les dresseurs, il faut vraiment que je reste sur la route. Donc nous, on est arrivé par là. On va essayer de prendre l'autre route, vu qu'on est tombé. Entre guillemets. Riptod. Comment ça, il m'aggro d'aussi loin, lui? Ça va pas la tête? Non, mais l'autre... Mère, il est fou. Oh bah y a plus de musique d'un coup. Ah si.
Parce que je pense que les dresseurs, ils sont pas trop dans les hautes herbes, à mon avis, ils sont vraiment sur les routes. Ah, oh, mais toi, je t'ai affronté ou pas hein? Non, hein. La 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 la. Ah bah, salut toi. Regardez qui s'est ramené pour venir chercher ta friandise. Putain, t'as la mémoire quand tu veux, hein. C'est quand tu veux que t'as une bonne mémoire, Bakou, hein. Allez, monte. Oui. Tiens, coquine. Je te jure. Je viens d'acheter un gâteau à pâtisse en boule. Du coup, j'ai la patate. Du coup, combat. Salim, l'employé veut se battre. Le gars, il a le temps pendant la pause déj de se fight. Non, mais y a plus rien, Bakou, descend. Fampi. Promis, M's Fampi. Fampi. Fampi, je me souviens plus, c'est Sol, Fampi. Je sais plus du tout. Sol ou Roche? Roche du coup, non? Il est très beau le plan finalement. Ouais, je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai perdu, mais je suis toujours de bonne humeur. Parce que j'ai un bon gâteau avec moi. Écoute, c'est tout ce qui compte. Ok, je vais remonter sur cette route. C'est sol pur. Ah, c'est sol pur. La forme du cristal spectre me fait penser à la mère Osley décédée dans les premières versions Pokémon. Ah, est-ce que c'était ça alors? Cette histoire du coup? Peut-être. Mais où est la reine? Il m'a fallu 60 ans avant de me décider, mais je suis enfin prêt à relever le défi de la reine. Oh, c'est un topiqueur? Ah, oh, trop marrant, on voit le topiqueur qui se déplace dans le sol. Nelson, l'étudiant! Écoutez, y a pas d'âge pour étudier, hein. Pas de bashing. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Périgrin. Sacrément chum quand même. Lui, 80 balais, il est étudiant. Ah, écoute, quand j'étais à la fac, dans ma promo, il y en avait 2-3 qui étaient à la retraite, hein. C'est un Pokémon de la 6G. Ouais, mais il a pas une forme spéciale de Paldea. Parce que je le reconnais pas. Hein. J'ai passé ma vie à étudier, aucune utilité. Allez, ciao Nelson, retourne à l'école. Non, non, il a la même forme. Ah, ok. J'y étais presque, mais je me suis fait battre même avant d'arriver à l'arène. Putain, alors que ça fait 60 piges que t'étudies, t'as pas honte? Sans déconner, tu te fais battre par une gamine. Oh, les petits apitrini là. Eh, du coup, ça y est, on a fait nos 3 combats là. Reviens la petite apitrini. Peut-être une femelle. Femelle. Oh, le clutch. Vous vous souvenez de la galère dans Arceus de trouver un apitrini femelle? Je vais tenter la capture maintenant. Trop dur. Tu sais, c'est le papillon. Oh. Au X-Form. Non, franchement, ça ne dit rien. Oh. Qu'est-ce que je pourrais utiliser contre Apitrini? Parce que là, je vais le pulvériser avec mon Matourgeon. On va tenter de l'endormir avec Tarsal, hein. Ce sera mieux. Après, t'as aussi des gens qui viennent en amphi de fac juste pour apprendre des choses, en plus de leur formation de base, ou juste par curiosité. Ces personnes-là peuvent être de tout âge. Ouais, hein. Mais oui, moi j'avais des gens qui étaient à la retraite, qui étaient dans ma promo. Et ils passaient plusieurs diplômes parce que ça les occupait. Et puis ils aimaient bien, ils apprenaient des trucs. Tu sais, c'était des gens qui, je pense à leur époque, bah,
40 ans auparavant avait pas trop eu l'opportunité de faire des études. Tu sais, je pense qu'il y a 40 ans, faire des études, c'était pas trop le même bail. Et ouais, du coup, bah, ils faisaient des kiffs et ils faisaient des cursus licence, en fait. Donc, ils faisaient 3 ans par-ci, 3 ans par-là. C'est 10%, je crois, pour Apitrini femelle. J'ai dû chercher un petit peu, quand même, dans cette version-là. J'avoue que moi, j'ai eu beaucoup de chance, là. Ok, il fait dodo. On va pouvoir Pokéball. Parce que j'aimerais pas trop l'attaquer, en fait. Ah, dommage. On va retenter, vu qu'il dort toujours. Ça peut passer, hein. Ça t'apporte quoi de plus que ce soit une femelle? Alors, en fait, les Apitrini femelles peuvent évoluer en Apirène, du coup. Allez! Fais pas genre! Oh, mais il rend fou! Ah, est-ce qu'on tente quelque chose? Une petite attaque? Bon, Tarcel, après tout, il est niveau 12. Petite voix enjôleuse. Ok, il se réveille en plus. Aïe, ça fait mal. Ok, on peut faire encore une voix enjôleuse. Ah non, pas sur l'insecte! Allez, into hypnose. Est-ce qu'il y a un Pokémon particulier que tu aimerais trouver pour ton équipe? Franchement, non, pas particulièrement. J'avoue que j'y vais beaucoup au feeling, en fait, dans Pokémon, généralement. J'ai pas d'équipe goal en mode, je me dis, putain, il faut absolument que mon équipe y ait ça, ça, ça dedans. Généralement, quand je fais des Pokémon, c'est en fonction des Pokémon que je vais capturer. Je me dis, ah, lui, ça va être... J'essaie d'avoir toujours des équipes variées, tu vois, avoir un Pokémon plante, feu, eau, psy, spectre, électrique, tu vois, généralement. Après, ça dépend, je varie. Et pour avoir vraiment un truc un peu équilibré. Et ça dépend vraiment de mes rencontres Pokémon. Donc non, pas particulièrement, ouais. Petite Apitrini! Pokémon mini-abeille de type insecte-vol. Ce trio inséparable depuis la naissance passe son temps à récolter le nectar de fleurs pour satisfaire Apirène. Tu auras au PC. Trop mignon. Ok. Je vais chercher le petit loot là-bas. Et on va revenir du coup au village. Oh, la petite poudre soin. Oh non! Mais ils sont trop petits aussi, je leur roule dessus. La petite Olive, là. Olivini. Je ramasse quand même beaucoup de CT, en vrai. Faudra que je fasse le point. Oh non! J'ai roulé sur un taupiqueur. J'en ai marre. Ok. Toi, c'est Hortense, je t'avais déjà croisé. Oh Willy, merci beaucoup! Merci, merci beaucoup Willy pour ton 22e mois d'abonnement. 22 mois avec cette commu en or, merci à toi May. Comme Ponce, tu aides beaucoup en ces temps difficiles. Merci beaucoup Willy. J'espère que tu vas bien. C'est gentil. Pourquoi tu les fumes pas pour XP? Ça prendrait pas trop de temps. Oui, je pourrais, hein. Mais là, j'ai surtout envie d'aller dans la prochaine ville. Voilà. Bonjour, monsieur. Mission accomplie. Au nom de la Ligue Pokémon, permettez-moi de vous remettre cette splendide récompense. Aéropic. Ok. Je n'ai pas de Pokémon vol dans mon équipe, mais ok. Ce défi se tient également dans d'autres endroits de Paldea. N'hésitez pas à le relever ailleurs. Vous pouvez confectionner une nouvelle CT à la machine. Allez, je soigne mes Pokémon. Pim, pim, pili, 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 pili.
C'est devenu moderne, hein, quand même, hein, les centres Pokémon. Hein. Et le soin des Pokémon, surtout. Il y a eu de belles évolutions. J'en ai profité pour recharger votre orbe Terra Crystal. Merci beaucoup. Au fait, je ne sais pas si vous le savez, mais... S'accroupir. Oui, ça, je le savais. Si vous approchez d'un Pokémon par derrière et que vous lancez une Pokéball avec le bouton ZR, vous pourrez le surprendre. Cela vous permettra d'agir en premier pendant le combat. Intéressant. Merci, madame. Ok. Mignonne, cette petite ville. Alors, est-ce qu'on va avoir des intérieurs? Ça va être la question fatidique. Ici, c'est Sevaro, mais avec toutes ces olives qui roulent partout, pour moi, c'est plutôt... Sevaroul. Merci. Rappelle-moi de ne plus jamais te parler, s'il te plaît. Ah, des ingrédients. Est-ce qu'on n'achèterait pas quelques ingrédients? Œufs, salade de patates et chorizo grillé. Bah, j'en ai déjà. Des trucs un peu plus originaux. Ah, et toi, est-ce que du coup, tu vends des glaces avec des auras brillance? Ça, ça va être vraiment mon objectif. Hein. Avoir des trucs aura brillance pour trouver des shiny. Ouais, comme par hasard, non. Hein. Bah, j'imagine que ça doit être relativement rare. Oh, il pleut! On a donc des variations météo. C'est cool, ça. Oh non, regardez. Oh non, je n'aime pas la pluie. Oh putain, elle a l'air pas bien. Hein. Elle a l'air encore moins bien que moi quand il pleut dehors. Bah ouais, mais... J'ai pas de parapluie aussi. Mon problème, Maë, c'est que tu détestes l'humour. Je déteste rire. Non mais oui, le monsieur était un peu cringe, on est d'accord. Elle est allergique à l'eau. Peut-être, hein. C'est peut-être la sorcière du magicien d'Oz, elle fond avec l'eau. Que diriez-vous de quelques ingrédients pour confectionner vos sandwichs? Avec plaisir. Jambon, laitue. On va acheter de la laitue. Oh là, pas trop non plus, hein, calmons-nous. Ah oui, je crois que tu peux faire des sélections. Ça, c'est pratique. Ok. Ça, c'est bien pensé, par contre. Tu peux sélectionner plein d'articles en même temps et ensuite valider à la fin. Ça, très très bon move. On va prendre mayonnaise, ketchup, moutarde. Je suis tout dépensé dans la bouffe. Huile d'olive. On va reprendre des petites piques. Moi, j'ai le fagnon rouge, on va prendre des pika pika. Et voli-voli. Mais ça a des buffs particuliers, hein. Le papier du fagnon est épais pour le faire tenir en l'air, même sans vent. Planté dans un sandwich, elle lui donne un côté somptueux qui met en appétit, même si on n'aime pas la garniture. Je me demande si ça donne pas, au final, des buffs sur la nourriture. Par exemple, ça, c'est pour les Pokémon de type plante et tout. Je vais prendre des vertes, du coup. Moi, j'ai pris un Pokémon de type plante de départ. Ok. Oh, 4000 boules. Waouh. Coûte cher de se nourrir. Hein. Terrible. Il n'y a pas d'intérieur de maison. Bah, franchement, non, il y en a très peu. Et je suis trop sad. Parce qu'il y a très peu d'intérieur de boutique. Et surtout, tu ne peux pas rentrer dans les maisons des habitants. Genre... Enfin, je suis legit premier degré, ultra déçu parce que ça a toujours été le cas dans les Pokémon et je comprends pas du tout pourquoi ils l'ont pas fait dans celui-là. Vraiment, vraiment pas. Hein. Est-ce qu'on s'abrite du coup pendant la pluie? Tu vois, genre on peut pas rentrer là. Non, franchement, je suis premier degré abattu. On peut pas voir la météo? La météo qui va faire dans quelques temps? Un peu à la Breath of the Wild. Non, non, on voit juste la météo actuelle. Ok. C'est la petite bête qui roule, qui roule, qui roule. Les tissants boules sont trop malins. Ils se protègent des ennemis en s'entourant d'une toile. Bon, c'est quoi ton Pokémon à toi, hein? C'est quoi ça, hein? Cette petite bestiole. C'est marrant. On dirait qu'il a des agrafeuses à la place des ailes. Oh, les papillons. Ah, c'est ça les papillons dont tu parlais, Zampile? Ah oui, c'est eux. Ah, les prismillons. C'est ça l'évolution? Prismillons? J'ai entendu dire que les prismillons avaient une apparence différente selon l'endroit où ils vivent. Je me demande d'où peuvent bien venir ceux-là.
Mais oui, je vois maintenant. Ok. Oui, premier truc, quand tu arrives en ville, aller rentrer dans toutes les baraques et parler aux gens. Bah ouais. Mais non. Non, 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 non. La météo est parfaite pour les olives. Je suis pas au courant que les oliviers aimaient bien la pluie, mais ok. C'est nous, on va dépenser notre thune en attendant. J'aimerais bien voir vos produits, mais vous me laissez pas les voir. C'est une fausse boutique ? Ça a l'air d'être une fausse boutique. Je ne peux parler qu'aux Pokémon. Bah soit. Quel succès ! Ces gâteaux de chez Patis en boule sont exquis. Leur succès est largement mérité. Et je peux pas les acheter. J'ai pas le droit. Oh, c'est joli ça. Encore des prises mignons. Waouh. Après, ils sont mimes hein, quand même, les villages. Ok, petite arène de combat. Bon, l'arène est là, hein. Ok, petit terrain de boule. Mais... Ah non, c'est le même gamin que tout à l'heure. Je veux dire, ils ont tous le même Pokémon, mais... My bad. My bad, my bad, je confonds. Et ouais, et du coup, bah, aucune maison dans laquelle on peut rentrer, malheureusement. Donc ça fait des villes qui, je trouve, sont... tristement vides, en fait. La grande ville, la grande ville, là, la capitale, bah pareil, la ville est immense. Et c'est que des vitrines où tu peux acheter de la bouffe. Et t'as plein de bâtiments, mais dans lesquels tu ne peux pas rentrer. Et je trouve ça vraiment d'une très grande tristesse. Donc je suis déçue des villes. Je suis vraiment jusqu'ici déçue des villes. Et pourtant, je vous en parlais en plus. Hein. Je vous disais, j'espère qu'ils vont réussir les villes et tout. Et franchement, je suis vraiment déçue de ce côté-là. Après, elles sont mignonnes et tout. Hein. Mais je les trouve décevantes, quoi. Ouais. Ce que tu dis là me déprime, bien plus que les graphismes. Ouais! Moi, le graphisme, je m'en fous, franchement. Honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui font une fixette dessus, mais moi, franchement, je m'en fous. On a compris que le jeu était pas beau. On a compris que les jeux Pokémon de Switch, les graphismes étaient vraiment pas ouf. Mais tant que le gameplay est là, c'est cool, tu vois. Et franchement, ça me déprime de pas pouvoir rentrer dans les bâtiments, quoi, de pas aller parler à des PNJ dans les maisons et tout. C'est juste du remplissage. Ouais, en fait, c'est juste des façades, en fait. C'est du décor. C'est vraiment du décor et rien d'autre. Donc, ouais, c'est vraiment triste. C'est vraiment, vraiment triste. Bon, et bah écoutez, il nous restera l'arène à faire. Mais, les amis, ça fait déjà 7h30 qu'on est en live. Et en vrai, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vais sauvegarder. Je n'oublie pas de sauvegarder, surtout. Et oui. Dernier truc. Alors pour l'instant, en tout cas, je ne l'ai pas découvert. Peut-être que ça arrivera après. Et dernier truc qui me chagrine un peu, c'est dans quoi ? C'est que visiblement, en termes de vêtements, il n'y a que les uniformes, que les 4 uniformes qu'on peut utiliser. Après, on peut mettre des accessoires et tout. Mais de ce que j'ai compris... Et de ce qu'on a pu voir jusqu'ici, il n'y a pas de moyen d'acheter d'autres vêtements. Donc, moi, vous savez, j'adore m'habiller dans les jeux et tout. Dans Pokémon épée bouclier, j'avais passé ma vie à faire ça. Dans Arceus aussi, je changeais tout le temps de vêtements et tout. Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on trouve après. Mais en tout cas, dans la grande ville, dans la ville principale, il y avait plein de boutiques de vêtements. T'avais une boutique de chaussettes, une boutique de baskets, une boutique pour les chapeaux, pour les sacs, etc. Mais tu n'avais pas de boutique pour les tenues.
sent que ça te touche beaucoup. Bah ouais, en fait, je comprends pas. On te propose de personnaliser beaucoup ton personnage. En plus, même dans la création de personnage, tu pouvais personnaliser beaucoup de trucs et tout. Mais ils te font pas des vêtements. T'as trois tenues. T'as uniforme de printemps, uniforme d'été, uniforme d'automne et uniforme d'hiver. Tu peux même pas personnaliser les couleurs. À la limite, tu vois, qu'ils te disent que tu peux avoir que des uniformes parce que t'as l'uniforme de l'école. Pourquoi pas? Mais mettez des... plus d'alternatives que quatre tenues. Tu vois, mets des alternatives, je sais pas, de couleurs, d'agencement, je sais pas. Il me semblait que dans les trailers, il y avait plus d'habits, mais je me trompe peut-être. Faudrait vérifier, hein.